Les premiers écouteurs et qui se rechargent, hop, on s'enfile. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter des écouteurs tactiles avec un concept plutôt innovant. Il s'agit donc des nouveaux écouteurs de la marque Anchor, il s'agit donc d'une entreprise franco-belge. Je t'ai présenté les AirTouch il y a plusieurs mois, d'ailleurs le lien de cette vidéo est dans la description si jamais tu es intéressé, les écouteurs sont pas mal du tout. Et donc ici, ce sont les FlyTouch que nous allons tester. Pas mal de retours positifs en tout cas pour le moment concernant les AirTouch. Et ici, ils veulent un petit peu impressionner tout le monde avec les FlyTouch, puisque ce sont bien entendu des écouteurs sans fil, mais surtout tu as un magnifique socle qui est juste ici et qui va te permettre, quand tu vas poser le boîtier des écouteurs, de recharger en sans fil tes écouteurs. Tu vois le truc de fou ou pas? Et dans cette vidéo, nous allons donc tester deux produits, bien entendu les FlyTouch ainsi que ce boîtier qui va permettre de recharger en sans fil les FlyTouch. Tu peux recharger le boîtier directement par un câble de type C. Ça, c'est au cas où si tu souhaites pas acheter de recharge sans fil, tu peux juste le recharger avec un câble type C qui est fourni bien entendu dans la boîte. Bon, et bien c'est parti donc pour les caractéristiques de ce produit avant de faire quelques petits tests. Tu vas donc retrouver la technologie Bluetooth 5.0, ce qui va te permettre d'avoir une transmission donc de 20 mètres, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est assez cool, on en parlera juste après. Et les écouteurs, très bon point, ils peuvent être utilisés pendant 6 heures non-stop. Et oui les gens, 6 heures non-stop sans avoir besoin de les recharger. Donc 6 heures d'autonomie, les écouteurs, c'est assez énorme. Moi qui aime d'ailleurs pas mal travailler, en tout cas en écoutant de la musique et derrière enchaîner des séances de sport, en tout cas c'est possible. Il faut savoir que la boîte donc contient une batterie de 400 mAh, ça représente à peu près ce qu'ils disent au total 24 heures d'autonomie, ce qui représente à peu près 4 recharges complètes des deux écouteurs et bien dans le boîtier en termes d'autonomie. Donc ça c'est assez pas mal, puisque tu vas avoir 6 heures d'autonomie avec les deux écouteurs et tu vas pouvoir les recharger 4 fois complètement. Donc assez cool comme concept, une belle autonomie, surtout comme tu peux l'apercevoir, c'est tout petit, petit boîtier et tout, tu peux le mettre dans ta poche très facilement et l'emporter un peu partout. Donc ça c'est vraiment un bon petit point. Il faudra donc environ 1 heure pour recharger entièrement la paire d'écouteurs et environ 2 heures pour recharger le boîtier. Une chose très importante, les écouteurs sont tactiles et de bonne qualité. D'ailleurs les écouteurs ont une forme circulaire, c'est assez important, ça prend pas mal de place, mais surtout au niveau du tactile c'est très propre. Par exemple j'appuie une fois à droite, ça va mettre en pause la vidéo et ça marche plutôt bien, c'est assez fluide, j'ai testé pas mal de fois. Je tapote 2 fois à droite la piste suivante et la piste d'avant si je tapote 2 fois à gauche. 1, 2, la piste suivante, tu vois. Voilà, je me tape une pub, 1, 2, la piste suivante encore. Si je reste appuyé longtemps, alors ça par contre j'utilise et j'aime beaucoup, ça va augmenter le volume, ça c'est pratique. D'ailleurs, je suis tombé encore sur une publicité, merci YouTube, c'est sympa. Là j'ai mis à fond par exemple, là j'entends bien, et puis tac, on ignore l'annonce. Là il y a la musique, ah en plus je l'aime bien, tu vois, et donc là on peut remettre la piste suivante. Une fois, deux fois, faut s'habituer, moi j'ai pas trop l'habitude avec le... Ah j'aime bien cette musique, avec le tactile. Mais il est plutôt propre comparé à beaucoup d'écouteurs sur le marché. Bon, on va mettre en pause. Faut bien que je me concentre là où je vise. Et il y a aussi, alors très important, un autre test. On va le faire tout de suite. Ça va être en fait de mettre de la musique et de mettre en fait la paume de ses mains au niveau de ses écouteurs pour voir si en fait la transmission se passe correctement. Et donc là j'entends toujours la musique en fait si tu veux. Et sur beaucoup d'écouteurs qui sont pas de très bonne qualité, ça je te le dis directement, en fait tu vas plus du tout entendre la musique puisque la transmission va se couper. Comme on peut l'apercevoir juste ici, tu retrouves une petite LED. Quand c'est rouge, ça veut dire que normalement t'es en batterie faible. Si ça clignote par contre en rouge, c'est que t'es en batterie très faible et que en fait va falloir recharger le boîtier. Par contre si la LED est en bleu, ça veut dire que t'es au-dessus de 40% en termes d'autonomie. Donc ça veut dire que ça passe et que t'as pas besoin en tout cas de le recharger tout de suite. Et dans la boîte tu retrouveras bien entendu les écouteurs, un câble de type C, 4 manuels d'utilisation, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, 4 paires d'embouts auriculaires. Donc ça, ça va, c'est plutôt sympa. Et tu vas aussi à côté, comme je te le montre, retrouver le fameux chargeur sans fil qui lui a une puissance maximale de 10 watts et une distance de chargement sans fil de 4 à 6 mm. Et ce petit boîtier pèse 123 grammes. Il est disponible donc en gris foncé, en blanc et en rouge. Le rouge est magnifique, je vais te superposer ça.
Et puis, tu vas pouvoir aussi recharger en parallèle eh bien, tous tes autres produits qui sont compatibles en tout cas avec la recharge sans fil. Et juste petite parenthèse concernant donc, le chargeur sans fil, il est en verre trempé. Et donc concernant le test, on va voir ça tout de suite. Donc ici, le boîtier, je vais éteindre une petite lampe. Et donc, comme on peut voir, c'est vraiment mais super joli. Tu as le logo et en dessous la marque qui s'éclaire encore. Et alors par contre, ça va clignoter légèrement en bleu. Mais avec la caméra, ça saccade un petit peu. J'ai juste à poser en fait le boîtier et ça clignote. Ah là, ça le fait plutôt bien. Ça clignote beaucoup alors que normalement pas autant en fait. C'est au niveau des couleurs avec la caméra, l'objectif, ça apparaît d'une autre façon. Mais c'est vraiment super joli. C'est vraiment mais magnifique. J'adore le concept. Hop, j'enlève, on attend un peu, boum, ça se remet en blanc. Donc à ce moment-là, tu sais quand est-ce que tu charges. D'ailleurs ici aussi, la petite LED clignote en bleu pour dire qu'elle est en train de se charger. Et quand j'ai reçu ces deux petits bijoux, je ne connaissais pas du tout le tarif de ces deux produits-là. Ça a été un petit jeu pour moi de voir un petit peu en termes de rapport qualité-prix combien je pouvais estimer ces produits-là. La paire d'écouteurs, j'arrivais, on va dire, je l'estimais entre 50 et 79,90€. Voilà, un petit prix comme ça. Et au final, il est à 44,99€. Et si jamais, petite réduction code promo dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas. Donc vraiment pas cher. Et le socle, je l'estimais à peu près 30€. Et en fait, non, il a 19,99€. Petite réduction aussi, si jamais, dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas à aller checker. Aujourd'hui, on retrouve, comme je te l'ai dit, énormément d'écouteurs, mais de bonne qualité. Ça, c'est beaucoup plus difficile, surtout dans la quarantaine d'euros. Voilà, franchement, tip top. Après, il y avait quelques petits trucs, ce que je t'ai dit, hein, concernant si t'enlèves les écouteurs. Bon, bah, le petit boîtier, il tombe en arrière, des petites choses bêtes qui vont devoir améliorer avec le temps. Tu peux écouter juste avec l'écouteur droit ou juste avec l'écouteur gauche. Boum, tu les remets dans la boîte. Dès que tu ouvres la boîte, faut savoir aussi, j'en ai pas parlé, mais elle se connecte automatiquement à ton appareil. Donc franchement, j'ai été bluffé. Merci encore de m'avoir envoyé ces produits-là. Et puis, bah, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir par la suite en tester des nouveaux de cette marque-là, Store Encore. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.